Bonjour et bienvenue chez Saint-Cyr Automobile. Aujourd'hui, je vous explique comment fonctionne un autoradio, donc GPS, sur une Suzuki. Et on va commencer tout d'abord par l'écran, donc qui se trouve entre le compteur et le compte-tour. Pour les réglages de cet écran, il vous suffira d'être à l'arrêt. Hein, en fonctionnement, si vous êtes en train de rouler, ça ne fonctionne pas. Vous allez donc ici appuyer sur le bouton qui est là et qui vous permet d'accéder donc différentes fonctions et différentes donc énumérations, donc de combien de kilomètres il vous reste à faire, les consommations, les moyennes de consommation, le temps de conduite, etc. L'horloge, etc. Si vous laissez le doigt appuyé donc sur ce bouton ici, sur le côté droit, vous allez donc faire apparaître un menu. Dans le menu, vous allez pouvoir changer les unités, changer la consommation, et si vous cliquez donc dessus, vous rentrez donc dans le menu, soit pour avoir par exemple pour la consommation le menu donc qui se mettra en kilomètres par litre ou en litres au 100 km/h, etc. Vous allez donc choisir la langue ici, donc pour pouvoir donc inverser, si vous étiez en anglais, vous passez en français, etc. La remise à zéro donc de votre consommation. Si jamais donc après le plein, vous souhaitez donc à chaque fois que ça remette à zéro, ou si vous voulez le faire de façon manuelle. Et pour cela, il vous suffira donc d'utiliser le bouton qui est ici, et là vous allez pouvoir donc remettre à zéro tout simplement votre kilométrage journalier qui est affiché en bas et qui est marqué trip. Vous allez donc ensuite faire un retour. Donc vous allez utiliser le petit bouton qui est ici, enfin le petit support, à droite, à gauche ou une impulsion pour pouvoir valider. Donc vous allez pouvoir donc faire apparaître la température en degrés ou en Fahrenheit. Vous allez pouvoir régler donc le radar en mode normal ou en mode remorque, c'est-à-dire que si vous avez une remorque, votre système ne sonnera pas pour vous éviter effectivement d'avoir un bip long sans arrêt. Vous allez pouvoir régler l'horloge avec le réglage de l'horloge donc qui est différente de l'horloge qui est ici. Hein, vous avez donc deux réglages bien distincts. Donc il vous suffira, vous voyez, de valider donc avec à gauche ou à droite donc l'heure. Une fois que c'est fait, donc vous faites une impulsion pour passer aux minutes. Vous allez à droite ou vous allez à gauche pour obtenir donc les minutes qui vous conviennent et vous validez à nouveau en appuyant donc sur le bouton. Vous passez de 12 à 24 heures. Vous allez pouvoir régler aussi la date ici et donc pareil, vous validez pour rentrer et à chaque fois que vous validez, vous passez au mois, à l'année, au jour. Et une fois que c'est fini et que vous avez validé, vous avez donc le message successful qui veut dire que tout s'est bien passé. Vous descendez donc jusqu'au verrouillage des portes. Si vous voulez par exemple que votre voiture soit verrouillée systématiquement lorsque vous roulez ou si vous voulez un bruiteur extérieur lorsque vous verrouillez vos portes depuis la télécommande. Pour l'éclairage, vous allez pouvoir ici demander un éclairage de plancher, l'éclairage donc au changement de voie. Alors vous pouvez donc demander effectivement que vous ayez un voyant qui s'allume donc sur votre tableau de bord lorsque vous changez de voie, évidemment. Vous allez donc, on va retourner hop sur le changement d'huile. Ici, vous allez donc pouvoir dire bah, à votre voiture que vous avez donc fait la vidange et donc il faut réinitialiser donc le système pour vous prévenir de la prochaine vidange. Donc AC mode, c'est l'air conditionné pour vous demander si vous voulez une climatisation en standard, en économique ou en confort. Vous avez donc le TPMS qui va calculer donc la pression de vos pneumatiques. Si jamais vous refaites la pression des pneumatiques de votre voiture, à ce moment-là, vous rentrez dans ce menu-là et vous allez donc dans pression des pneumatiques. Et ici, vous avez donc la pression de vos pneumatiques. Si vous revalidez, donc vous allez retourner sur le menu et dans le mode, vous allez donc demander donc un mode confort ou un mode charge. Mode confort, c'est le mode roulage en fait standard et mode donc charge, c'est lorsque vous faites transporter votre véhicule. Donc là, le mode normal, c'est le mode effectivement pour tous les jours. Vous avez la reconnaissance des panneaux ici qui va s'afficher donc sur ce tableau de bord ici, que vous pouvez donc activer ici ou désactiver. Vous allez avoir le paramètre donc BSM, donc marche arrière ou marche arrière et marche avant. Il vous suffira donc de cliquer dedans pour l'activer ou le désactiver. Et donc pareil pour le RCTA. Donc c'est les radars de recul donc en marche arrière. Vous avez donc la visualisation donc des réglages. Donc vous pouvez donc afficher un calendrier. Vous pouvez choisir le type de calendrier, l'historique de la consommation, l'historique de la motricité, l'économie temps carburant, vous voyez les messages donc start and stop, les fonctions des pédales.
Là, par exemple, si jamais vous démarrez votre voiture et que vous n'avez pas appuyé sur des pédales, vous aurez à ce tableau de bord un petit dessin avec les pédales qui vous sera donc affiché, si c'est donc activé, etc., etc. Donc mode déplacement aussi, donc vous pouvez aller donc afficher, activer donc le mode de déplacement ou pas. Donc une fois que vous avez fini, ben, il vous suffira donc de remonter donc tout en haut pour avoir donc le retour ici. Ensuite, vous avez donc la possibilité de faire un réglage de mode par défaut. Attention, ça veut dire aussi que ça remettra la langue par défaut, la langue qui était d'origine sur le véhicule. Donc il faudra à nouveau changer la langue pour le mettre en français. Enfin, et grâce à tous ces réglages, à chaque fois que vous allez appuyer donc sur ce bouton, vous aurez effectivement les différentes fonctions que vous avez réglées donc au préalable qui s'afficheront, et à chaque fois vous verrez effectivement apparaître toutes les informations et dans le format que vous avez donc prédéterminé. On va désormais passer donc à l'écran central, donc où vous avez effectivement le guidage GPS. Il vous suffira donc d'appuyer sur la partie en bas à gauche pour voir apparaître donc la cartographie. Ici, vous avez un bouton qui permet en fait de dire bah, je veux aller effectivement vers une nouvelle adresse. Cette adresse, donc, vous choisissez d'abord le pays. Une fois que vous avez choisi le pays, si c'est par exemple la France, vous cliquez dessus. Vous dites moi je veux aller à Annonay, donc soit vous tapez donc le code postal, soit vous tapez tout simplement donc la ville. Donc vous tapez les premières lettres en fait de votre ville et vous allez voir apparaître ici donc les propositions. Donc là il y en a 5 de propositions et donc on a Annonay, on clique dessus. On veut aller rue Pierre de Coubertin, vous cassez pas la tête, vous tapez simplement Pierre. Et il va vous proposer, vous voyez, rue Pierre de Coubertin ou Pierre Madès France. Vous limitez en fait le nombre de choix possibles pour gagner du temps. Vous pouvez mettre le numéro ou une intersection. Et donc ici, vous allez donc appuyer pour avoir le calcul de l'itinéraire. Une fois que le calcul L'itinéraire est calculé. est Veuillez fait, bifurquer sur une route digitalisée. voilà, une fois que le calcul est fait, effectivement, vous avez donc la voie qui vous annonce le parcours qu'il faut suivre. Et ici, vous avez donc combien de temps, à quelle heure vous allez arriver. Ici, combien de temps vous allez mettre pour parcourir ces 8 km. Et puis, donc, vous retrouvez effectivement l'heure à laquelle nous nous trouvons maintenant. Ici, vous avez un petit plus lorsque vous appuyez dessus, ben, vous zoomez, tout simplement. Vous avez la possibilité de dézoomer ou de zoomer en faisant un pincement comme sur votre téléphone portable. Ici, quand vous appuyez donc sur le petit bouton, vous retrouvez donc votre cartographie. En appuyant ici, vous allez pouvoir changer la disposition. Vous avez vu, on est passé de la vue du dessus à la vue effectivement en 3 dimensions. Ici, vous avez donc les messages de trafic routier en fait hein, sur l'itinéraire ou tous. Tous, ça veut dire qu'il va vous fournir aussi les messages routiers qui sont à proximité mais qui ne sont pas sur votre itinéraire. Vous pouvez faire marche arrière avec la petite flèche qui est ici. Si vous voulez arrêter votre guidage, il vous suffira d'appuyer sur le petit bouton qui est ici et donc vous pourrez donc arrêter le guidage. Vous vous êtes déjà rendu donc à Annonay et donc vous souhaitez aller donc à cette destination. Si jamais vous êtes sur le menu principal, il vous suffira effectivement de retourner dans le guidage. Vous allez à nouveau dans la petite flèche qui est ici et vous allez donc pas saisir nouvelle adresse mais précédente. Et dans précédente, vous allez retrouver l'adresse que vous aviez déjà tapée. Il vous suffira effectivement d'appuyer ici pour relancer donc cette adresse. Et si jamais vous appuyez sur la petite étoile ici, vous allez pouvoir l'enregistrer comme un favori, en fait, tout simplement. Il vous suffira d'éditer le nom et puis d'utiliser le clavier pour lui donner un nom, hein, maison par exemple, ou travail. Et donc, vous pouvez donc l'enregistrer avec le nom affiché ou tout simplement l'enregistrer comme l'adresse du domicile. C'est toujours un conseil que, enfin j'explique comment ça fonctionne, mais c'est un conseil que je ne donne pas. Moi je vous dirais que si jamais vous avez votre voiture qui est volée et puis que vous avez les clés de votre maison dedans, c'est un peu trop facile pour le cambrioleur d'aller chez vous. Donc je vous le déconseille. Maintenant, si vous souhaitez supprimer une adresse qui est déjà dans votre répertoire ou une adresse que vous aviez fait précédemment, il vous suffira d'appuyer dessus, d'appuyer sur la petite croix qui est ici et vous allez donc sélectionner, enfin supprimer l'adresse que vous sélectionnez. Si jamais vous en avez fait plusieurs, il vous suffira d'appuyer sur les petites croix là, qui se chevauchent et vous allez valider, ça supprimera toutes les entrées que vous aviez faites préalablement.
Maintenant, sur ces dispositifs, vous avez aussi un truc qui est vachement sympa, c'est le PDI. Donc, c'est des points en fait d'intérêt à proximité de votre voiture. Alors, si par exemple, vous êtes perdu dans une ville que vous ne connaissez pas et que vous êtes en court de carburant, vous allez aller dans tout ce qui est automobile et vous allez retrouver ici station-service. Et il va vous proposer en fait toutes les stations-service qui sont à proximité et dont il a donc lui la connaissance dans la cartographie qu'il a. Il vous suffira d'appuyer dessus, donc vous ne connaissez pas l'adresse, mais vous connaissez la distance grâce à lui, et il vous suffira de valider donc l'itinéraire pour pouvoir L'itinéraire est aller calculé. Veuillez bifurquer sur une route digitalisée. donc pour aller à la station-service la plus proche, hein, puisqu'il vous a fait des propositions en ayant tout simplement mis. Hop, on le refait, station-service, toutes les stations-service et donc le nombre de kilomètres qu'il vous reste à faire avant d'aller à ces stations-service. Alors ça marche pour les stations et ça marche aussi hein, pour tout ce qui est pharmacie, vous cherchez un concessionnaire automobile, vous cherchez une banque, vous cherchez effectivement un hôtel, vous allez retrouver effectivement tout un tas de lieux publics, des restaurants, etc. Donc ça c'est très intéressant. On va aller dans les paramètres maintenant. Vous allez tout simplement dans la petite roue crantée ici. Vous allez pouvoir régler les sons, donc avec plus de basses, moins de basses, des aigus, la balance, donc pour la gauche et la droite. L'équilibreur, donc avant-arrière, hein, c'est tout simplement le fader qu'on appelait avant, c'est-à-dire un système qui permet d'enlever les haut-parleurs par exemple à l'arrière. L'équaliseur, si vous cliquez dessus, vous avez déjà un équaliseur qui vous est fourni, donc il vous suffira de choisir le son de l'équaliseur, par exemple rock parce que vous écoutez du rock ou musique parce que vous écoutez plutôt du classique. Le réglage donc du volume en fonction de la vitesse, ça c'est super intéressant, c'est-à-dire que plus vous roulez vite, plus votre voiture fait du bruit. Et si vous lui demandez effectivement de contrôler le volume, eh bien votre vitesse, si vous prenez de la vitesse, votre son va augmenter naturellement sans avoir besoin de le faire avec le volume qui est ici. Vous faites marche arrière et vous avez donc les réglages de l'écran avec plus ou moins de luminosité. Vous avez donc le mode jour ou le mode nuit. Vous avez l'horloge ici, donc pour régler l'horloge de cet écran, et je vous rappelle que ce n'est pas le même réglage sur l'horloge donc qui est entre le contour et le compteur. Vous allez pouvoir donc demander donc le format de la date, jour, année, ou plutôt à l'américaine, année et jour. Le format de l'heure, 12 ou 24 heures. Le mode de réglage de l'heure, soit directement grâce au GPS, soit manuel. Si vous êtes en mode manuel, vous allez pouvoir donc régler l'heure ici avec les touches. Si vous êtes en mode GPS, à ce moment-là, c'est le GPS qui va déterminer l'heure à afficher donc sur votre véhicule et vous n'aurez plus accès effectivement à ce réglage manuel. Vous avez donc bien sûr les langues, donc pour choisir la langue de votre outil, les unités de mesure, donc métrique ou impérial. Impérial, ce sont les unités, donc tout ce qui est miles, tout ce qui est anglais en fait, hein, le système donc impérial. Vous avez donc le verrouillage du clavier pendant la conduite. Moi, je vous le déconseille, parce que souvent quand vous avez besoin de votre clavier, même si vous êtes en train de conduire, c'est pas très sécurisant, mais c'est quand même utilisé à bon escient. Et puis donc vous pourrez donc mettre un pin de sécurité pour dire bah, moi je veux pas que tout le monde puisse utiliser mon écran, donc je lui mets une protection par pin et donc vous déterminez donc le pin de sécurité pour qu'à chaque fois que vous puissiez pas rentrer en fait dans cet écran que avec un pin de sécurité. Et puis après vous pourrez donc faire le rétablissement des réglages usine. Encore une fois, attention, réglage usine égale changement de langue. Donc il faut savoir et repérer comme il faut pour changer la langue. Surtout si vous avez un véhicule par exemple qui vient de Pologne avec des messages qui ne sont pas très faciles à comprendre. On retourne donc sur le menu principal grâce à la petite maison et puis on va tout simplement ici sur la partie radio. Donc sur la partie radio, bah, vous avez tout simplement ici la possibilité soit d'utiliser donc la petite flèche et puis de la faire déplacer comme ceci. Vous allez pouvoir ici sélectionner pour demander à votre autoradio de s'arrêter sur une station qu'il a pu trouver. Il vous affichera donc le nom ici donc de la radio et au-dessus il vous affichera le nom de la piste de musique qui est en train de s'écouter. Si jamais vous voulez la mémoriser en numéro 1, il vous suffira simplement d'appuyer sur 1, d'attendre que le curseur aille jusqu'au bout et vous voyez apparaître ici donc votre mémorisation. C'est aussi simple que ça. Vous avez ici la possibilité donc de changer les sélections de sources, FM1, FM2. Vous pouvez aussi donc passer en AM.
ou DAB. DAB, donc, c'est le système en fait de radio digitale. Au lieu d'avoir une radio donc, qui passe par le réseau hertzien, donc le réseau avec une antenne, bah, là, il n'y a pas d'antenne, c'est un réseau donc, numérique. Donc, vous aurez une qualité effectivement de son qui sera pur, hein, comme sur un CD, comme sur la télévision, la TNT qui est une télévision numérique. Simplement, ça ne marche pas forcément sur toutes les radios et dans toutes les régions encore de France. Mais si vous avez une radio qui va pouvoir être écoutée, vous aurez effectivement cette radio de meilleure qualité. Après, nous par exemple, on utilise beaucoup Chéri FM sur Annonay. Chéri FM, donc local, ne sera pas sur le DAB. On n'aura que le Chéri FM national sur la radio digitale. Donc on n'aura pas les informations locales. Lorsque vous êtes donc sur radio, vous allez donc ici changer de source tout simplement et vous allez pouvoir donc vous mettre sur Média. Et en vous mettant sur Média, à ce moment-là, il vous propose soit l'iPod, soit la prise USB, soit le Bluetooth, la carte SD, les différents médias qui sont donc disponibles sur votre véhicule. Si vous avez mis une clé USB donc sur votre voiture, vous cliquez donc sur la clé USB ici et vous allez donc pouvoir lire la musique depuis cette clé USB. Voilà, j'espère que ça vous aura été utile. Bien sûr, nous restons à votre disposition. Si vous avez des questions, laissez-nous un petit commentaire. On répond à tout le monde. Vous l'aurez compris, ce n'est pas notre métier de base, bien sûr, mais on fait ça pour nos clients à la base. Et puis finalement, on se rend compte qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens qui nous réclament d'autres vidéos pour savoir comment fonctionne leur voiture. Donc, on est à votre disposition. C'est un vrai plaisir de pouvoir vous aider. À très bientôt.